avoir toutes les garanties pour que tu agisses. Par moment, tu es appelé d'aller à l'inconnu, dans le vide, ne comprenant rien, mais s'attendant à Dieu. Oh, alléluia. S'attendant à Dieu. Il a dit à Moïse, vous allez, tu vas amener toutes ces verges dans la tente d'assignation, là où je me rencontre avec vous. Autrement dit, tu vas amener toutes ces verges dans ma présence. Bien aimé, c'est Dieu qui fait la différence. Tu pensais que je parlais à quelqu'un? C'est Dieu qui fait la différence. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Et quand vous lisez encore Ecclésiaste, toujours Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit quoi? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne peut pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Comment une verge toute sèche, sans vie, peut-elle fleurir? Comment est-ce que c'est possible? Dans la durée d'une nuit, une verge, un bâton sec, une verge sèche, sans être mise en terre, sans être arrosée, comment peut-elle fleurir cette verge? Quelquefois, tu te retrouves dans des conditions infra-humaines et tu te poses la question, est-ce que je vais m'en sortir? J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas t'en sortir. Mets-toi seulement dans la présence du Seigneur, car en réalité, c'est à quoi tu t'attends un miracle. Je disais, tu t'attends un miracle. Qu'un bâton fleurisse, c'est un miracle, frère, sœur. Et ce n'est pas la main d'un homme qui puisse faire cela. C'est la main du Dieu vivant. Oh, la bonne main de compassion n'a pas fini d'agir. Elle n'a pas fini avec son action dans le programme. Mais cette main de... Je voulais dire que cette main de compassion n'est pas bloquée dans un programme qui s'appellerait « Joins la main de compassion ». C'est une main qui nous accompagne. L'œuvre de Dieu, elle peut s'accomplir dans ta vie. Sans que tu ne t'en rendes compte. Sans que tu ne saches comment cela se produit. Car tu ne peux comprendre ce que Dieu fait en ta faveur, et encore moins, voire même tes ennemis ne peuvent pas comprendre ce que Dieu est en train de faire en ta faveur. Amen, amen. 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 Oh, alléluia. Amen. On a parlé de cet homme qui jette la semence en terre dans Marc 4. On dit qu'il dort ou qu'il veille, nuit et jour. La semence, c'est quoi? Elle germe, elle croit, sans que cet homme qui a mis la semence en terre ne sache comment ça se passe. Amen. Un peu comme ça se passe avec cet embryon-là, ce liquide dans le ventre d'une femme, dans son utérus, dans sa, et tout d'un coup, l'enfant commence à se développer là. Ça, c'est bien aimé. Ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Qu'un liquide puisse se développer, devenir un être vivant, ça, c'est le doigt de Dieu. Sache qu'avec Dieu, ce qui est mort et sec dans ta vie peut reprendre à fonctionner. Et peut commencer à fonctionner ce qui est mort en toi. Ce qui est mort en toi peut reprendre à fonctionner. Ce qui a séché peut reprendre vie. Amen. C'est possible de voir ton Dieu à l'œuvre. Je dis à quelqu'un, c'est possible de voir ton Dieu à l'œuvre. Écoute, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. L'Ecclésiaste dit, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ah, j'ai beaucoup aimé, j'ai souligné cela. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait quoi? Qui ne fait pas les choses en partie, qui ne fait pas les choses en moitié. Il fait. Dieu fait tout. Tout, c'est tout. Oh, amen. Nous ne comprenons pas, c'est pourquoi nous paniquons. Je dis à quelqu'un, ne panique pas. Amen. Alléluia. Relève la tête. Parle comme Josaphat. C'est Josaphat qui pouvait dire et que devant cette multitude nombreuse, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Alléluia. Aie les yeux fixés sur le Seigneur, même quand tu ne comprends rien. Même quand tu es dépassé, aie les yeux fixés sur le Seigneur. Quelqu'un donne un bon amen.